Bonjour à tous, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. On vient juste de commencer, j'ai bougé qu'une fois, je me suis fait appeler, c'est incroyable. Pour cette, 20e partie de Pokémon, je pense, 20e partie de Pokémon Crystal. On a pété la gueule à la Ligue Pokémon, le conseil des 4. On se souvient de Marion qu'on a violé sans aucune contrefaçon. On l'a défoncé, la pauvre, on l'a démonté. C'est extraordinaire. Et Peter, alors Peter, j'en parle même pas. Et donc du coup, on va continuer parce que maintenant, il y a l'aventure à Kanto, les gars. Il va falloir faire toutes les autres arènes. Donc voilà, j'arrive, me fait appeler par le prof Orm, il me dit quoi, Jiraiya, j'ai quelque chose pour toi, tu peux passer au labo, à bientôt. Et là, il va me donner très certainement ce Master Ball. Ce Master Ball, je crois que je ne me trompe pas. Vous me dites sur le chat hein, si je me trompe, mais il me semble que c'est la Master Ball. Jiraiya, te voilà, j'ai quelque chose pour toi, c'est un passe-bateau. Meurs, c'est le passe-bateau, putain. J'en ai rien à foutre, tu peux aller attraper des Pokémon à Kanto. J'ai le passe-bateau, putain, c'est quoi, c'est... mais c'est nul. C'est nul, j'ai surf mec, j'ai pas besoin de prendre le bateau. Ah, faut que j'aille à Holyville. Toi-même tu le sais, j'ai rien. Tu as déjà bien voyagé, dis bonjour au prof Shen à Kanto. Ah, c'est peut-être le prof Shen qui me le donne. Bien évidemment, bah oui, évidemment. Je suis trop déçu, c'est le mec qui me donne un passe-bateau. Mec, j'ai surf, rien à foutre de ton passe-bateau. Donc voyez, j'ai fait la ligue avec des Pokémon de type faible. Mais je l'ai faite, et j'ai réussi. Donc mourir, allons à Holyville. C'est ici. Comme ça on pourra aller à Kanto. Ah mais je l'ai déjà la Master Ball. Ah mais oui je l'ai. C'est vrai, je crois que j'ai la Master Ball. Je suis sérieux. Voilà Master Ball, jetons là, j'en ai marre. C'est une mec infâme. J'avais déjà la Master Ball, donc je suis... En fait je suis juste débile. Voilà. Je suis monsieur débile, c'est parfait. Bon les gars, je vous propose d'aller à Kanto pour la suite de notre aventure. Ça va être parfait. Ça va être génial. Alors. Meurs. Bienvenue sur le bateau express, l'Aquaria. Allez-vous monter à bord? Mais bien sûr. Puis-je voir votre passe-bateau? Bien sûr. Je montre mon passe-bateau. Parfait, merci bien. Ah ben de rien. On y va. Le départ est proche, tout le monde à bord. Ok, comme par hasard, on m'attendait quoi pour le départ. Oula, on est parti. Ça tremble. Alors, est-ce qu'il... Oh merde. Oula. Merde. D'accord, il faut le prévenir, sa petite fille a disparu. Il doit se faire violer par un pédophile et tout, ça va être terrible. Alors je crois que c'est là qu'on peut se soigner, je crois. C'est là. Non, alors le jeu me dit, meurs, tu ne peux pas te soigner, c'est terrible. Bon alors, ce passage-là, il doit y avoir des dresseurs partout. Ah oui, il y a des dresseurs partout, ok, c'est parfait. Alors, quel niveau? Parce que, on rappelle que ça, on l'a après la ligue, donc forcément, les mecs doivent être un peu forts. Donc c'est pour ça que j'ai un peu peur. Oh merde, c'est un montagnard. Meurs, le montagnard. Sablero. Alors quel niveau ton petit Sablero? 31, non mais ça va. Ils sont pas ouf. Et on fouillera les poubelles bien sûr, puisque on adore fouiller les poubelles. Alors on va mettre roue de feu. Et après on va changer, c'est un montagnard. Donc forcément il y a des Pokémon de type sol et roche. Et on va pouvoir lui casser la tête. Alors, la fille est encore plus loin. Je m'en souviens même plus moi. Franchement je m'en souviens même plus de ce bateau. Je me souviens du bateau dans jaune, puisque c'est là où on récupère la 16 coupe et tout. Puisque c'est je sais même plus dans quelle ville et il faut coup pour faire l'arène. Alors attendez, il appelle Grolaine. Mais nous on va lui pisser dessus à Zerator. Allez Zerator. Regardez Grolaine. En plus ça c'est du gros fake hein. Genre le mec a Grolaine. Genre il a fait un échange et tout pour un Grolaine. Il me prend pour un américain. Donc il va mourir d'un coup d'un seul avec ça. Et c'est parti. La fille est avec le commandant de bord. D'accord. La fille est avec le commandant de bord, donc c'est ce qu'on... D'accord, on va aller au commandant de bord, on va lui dire stop maintenant, il y en a marre. C'est parfait. Alors, Twix, il prend de l'XP, on va pex un petit peu les faibles, comme vous l'avez dit. Comme ça, ce sera une l'occasion de faire un petit peu ce qu'on veut. Et puis, je rappelle que maintenant qu'on a fait la ligue, on peut faire pas mal de Pokémon légendaires, non? On peut faire les missions pour aller chercher les légendaires et tout, là, ça va être complètement malade. Ça va être complètement fou. Donc il y a moyen. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cette poubelle? Il n'y a rien dedans. Ok, ciao. Bon, la musique est infâme, genre c'est en mode meurt la techno. Il n'y a rien dedans. Est-ce que je peux dormir dans ces lits? Non. Est-ce que je peux dormir dans ce lit? Mais comment ça se fait, je peux dormir dans aucun lit? Mais c'est incroyable ça. Donc en fait on peut pas respirer, on n'a pas le droit. C'est qu'il y a... Là il y a un PC, c'est celle-là je crois. Vu qu'il y a un PC. Ah! Voilà. Je savais bien qu'il y avait un lit. La carte Brazer, on en parle. Non mais arrêtez. Cette carte Brazer, elle est à moi. Elle est à moi, forcément. Mais en fait, si je fais ça, c'est pour vous préserver, les amis. Non, je peux pas vous laisser avoir une carte Brazer. Quand je pense à vous, je pense à votre bien-être. Donc voilà, je me sacrifie
Et j'irai voir Mika, je lui dirai non, mais donne-moi la carte Brazzer, mon gars, parce que. Terrible. Les gens ne peuvent pas avoir cette carte, ça les mettrait mal, ça les mettrait mal, ils méritent pas ça. Voilà. Donc moi je pense d'abord à votre bien-être, donc je vais me sacrifier pour cette. Pour cette carte Brazzer. Magnifique, alors on met un coup de tranche pour voir les dégâts que ça fait. Bon bah il meurt en fait. Oui, il est détritus. Je connais cette théorie du détritus. Et ouais mec, c'est pas très efficace. Et là on le retue avec un coup de tranche. Donc on va pex un peu Sarent parce qu'il mérite. Sarent à qui on fait des bisous, hein, qui est toujours hospitalisé. Qui va vite nous revenir, on l'espère. Qui est toujours en France. Mais quand il va revenir, sachez les billes. Alors il appelle un Pyroli, est-ce qu'on va changer de Pokémon? Non, on va le tuer. Regarde, on va pas le respecter, on va le tuer en brûlade. Alors Pyroli. Pyroli meurt, roulade. Et ouais, c'est super efficace. C'est pas le one shot quand même. Du premier tour, tu sais, mec, le one shot. Alors on met une morsure. Mais c'est nul. Meurt, roulade. Et il meurt. Dans l'atroce souffrance, ok, déjà ça s'est stacké deux fois la roulade. Alors je sais pas ce qu'il va appeler après, mais il va prendre très cher. Smogo meurt, Smogo. Ah, je sais pas si la roulade est efficace contre Smogo ou c'est genre pas très efficace ou c'est normal. Je crois que c'est normal. Ouais, c'est normal. Mais il meurt. Oh là là là. Oh, coup critique. Oh, Sarent, on ne l'arrête plus. Hein. Cet homme est une machine. Cet homme est une machine. Ok, ben Bozo crache-feu meurt. On l'a défoncé. C'est parfait. Alors, on va continuer le périple dans ce bateau. Là, là. On va aller faire toutes les salles. On va aller soigner les Pokémon. Et puis, on va continuer un maximum. Il n'y a personne ici. Et il y a plein de salles vides. Hein. Je vois pas l'intérêt de mettre des salles vides. Hein, les gars. Please, quoi. Oh merde. Oh merde, ça c'est un montagnard ça. Ça c'est un putain de montagnard. Le problème c'est qu'avec un Pokémon sol, on va pas faire grand chose. Merde. Quatre oiseaux. Ah mais non. Oh mais merde, c'est un Pokémon vol glace. Ah ça c'est dur. Pokémon vol glace, ça c'est très dur. Tranche. Parce que s'il me met un bon vieux laser glace des familles, il va me démonter. Oh. Ah non, il me met un cadeau. C'est cool. Oh, c'est tellement nul à chier, mec. Oh là là là, c'était poubelle, hein. Ça, c'est la pire attaque ever. Roulade marche. D'accord. Vol, roulade. Ah oui, c'est vrai que roulade. Non, mais vous avez raison, c'est vrai que c'est fort. Mais dommage, je l'ai tout shot. Voilà, excusez-moi. J'ai tout shot. Mourez, les jumelles. Tu me prends pour un bébé ou non? Mais alors, c'est quoi ces dialogues? Là, mais où c'est qu'on va là? Là, ça n'a plus aucun sens. Donc là, on va se faire les jumelles. Non, mais alors, calmez-vous. On va les battre. Voilà. Ou un Teddy Ursa. Un Teddy Ursa qui évolue en gros ours. Je ne me souviens même plus le nom. Il évolue en quoi, Teddy Ursa? C'est quand même fou. Je me souviens pas. Oh là, il me les fout. Faut pas qu'il me parle, sinon je serais déçu. Meurs de la roulade. Un Ursa Ring. Ursa King ou Ursa Ring? Non, Ursa Ring. Allez, coup critique dans ta gueule, meurs. Ursa Ring, exactement. Anti-Burst. Oh, Teddy Riner. Non, ça c'est une blague, Emilia. 0 sur 2. Fampi, non, parce que Fampi fait le malin. Et Fampi il évolue en autre en comment il s'appelle. Oh non. Oh, il rate son attaque. Oh non, 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 mais non, t'es terrible, Sarent. Sarent, tu peux pas louper ton attaque. Je propose de mettre un coup de boule pour fêter ça. Meurs, le coup de boule. Donc là, il aura peur. Il a peur là, normalement. Mais non, il a pas peur. Oh putain, il fait une douleur. Non. Vous savez quoi? Non, respect, on va le tuer à les roulades. Ah, c'est pas très efficace, merde. Bon, là on est pas bien. On est pas bien parce qu'on est coincé sur une roulade. Et c'est pas très efficace. Et lui va lui défoncer. On va voir en étant pas très efficace si ça va le défoncer. C'est ça, mets des béliers toi, fais le malin. Fais le malin, blesse-toi. Meurs la roulade. Putain, ça fait zéro damage. Putain, j'espère qu'il va pas me tuer. Ça rien, tu ne meurs pas, hein. Ah, alors, putain. Et voilà la roulade qui aura raison de Fampi. Tu es mort. Parfait. Et Twix qui pendant ce temps-là fait son petit bonhomme de chemin avec le multipex qui va passer bientôt au niveau 40 puisqu'il est niveau 37. Attendez, est-ce que j'ai pas oublié quelque chose ici? Non, y a rien. Et à part du poulet sur la table apparemment. Non, on va aller soigner Sarens quand même parce que là ça me désole un petit peu tout ça. Sarens, tu dois vivre. Alors, allons soigner Rapidos. Allons faire un petit somme, un petit dodo.
Et c'est parfait. Meurt le dauphin. Oui, c'est vrai que Vampire ressemble vraiment à un dauphin. C'est un dauphin éléphant. Un dauphin éléphant, à peu près. Alors, donc là, on a fait pas mal de salles. Première, deuxième, troisième, la quatrième. Alors, au bonjour, je ne trouve toujours pas ma petite fille. Elle peut être... Ah non, mais le mec est infâme, tu sais. Je trouve pas ma petite fille, le mec est dans sa piole en train de rien faire, quoi. Please. Ouais, est-ce que tu cherches, mon... Mec, cherche zéro sa fille. C'est qui, moi? Et toi, tu peux chercher mon pote pour moi. Putain, faut chercher tout le monde. Ah bah t'as du taf. Ah mais d'accord, mais en plus... Ah, il me laisse pas passer. Putain, mais quel chien. Bon, écoute, c'est peut-être lui. D'accord. C'est pas lui. C'est peut-être lui. Oui. D'accord, c'est pas lui. Oh mais les mecs trop relous quoi, putain, mais please. Et lui. Ouais, d'accord. D'accord, son pote il est où quoi. Oh là là, c'est le cache-cache. Mais cet épisode est horrible. Ce moment de la game est infâme. Ah, y'a une autre poubelle ici. Et y'a rien dedans. Mais alors, est-ce que son pote c'est forcément un marin? C'est en bas, c'est le deuxième, d'accord. C'est là où il y avait personne. Et je suis sûr qu'il y a un mec maintenant dedans, quoi. Genre le truc totalement improbable. C'est forcément un marin, son pote. Mais non, il est pas là. Oh, c'est pas vrai. Non, mais il dort zéro, il y est pas. Il est nulle part. Regardez, il y a personne. Il y a personne. Ah, à droite de ma cabine. Ah, à droite de ma cabine, d'accord. Non, il m'a dit en bas, vous m'avez dit en bas. Il va à droite de ma cabine et s'il est pas là, on est déçu. Ah, il est là, salaud. Non, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Mec, tu me racontes ta vie là. Donc, c'est lui, on l'a trouvé, le salopio. Donc, il doit avoir des Pokémon haut, oh, forcément, c'est un marin. Mais est-ce que ça arrête sa peur? Ah, ben je ne pense pas. Ah non, il est Pokémon combat. Le fameux Machoc. Bon, écoutons. Écoutons le pouvoir de la roulade. Meurs. C'est pas très efficace, mais c'est pas grave. Voyons voir les damages. Ah oui, d'accord. Ah merde. Ah oui, ça fait des damages quand même, la roulade. Ah, le truc... Non, il va me buter zéro. Ah, à part s'il me fait point karaté avec ses critiques. Oh là là, merde. C'est bon, il rate son attaque, ça me va. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tranche. C'est chaud, hein. C'est chaud, ça fait des dégâts. Oh putain. Damage, du bordel. Il va me tuer. Ah, je crois que là j'ai mal géré. À part si je fais un coup critique. Allez, meurs. Chien. Voilà, c'est exactement ce que je disais. On le défonce. Machopper. Alors, Machopper. Venez, on l'appelle Chexy pour voir. Parce que là c'est un Machopper. Mais quel niveau? Il est niveau 33, il est niveau 29. C'est bon, il a que 4 levels de plus. Chexy, t'es censé savoir faire quelque chose contre lui. Voilà, tu t'envoles. Attention, Chexy est là. Chexy est là. Attention, on attend les dégâts. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Et là, elle est morte. Elle est pas morte, elle est pas morte. Putain, faut un coup critique. Chexy nique pas la game. Ah, on loupe, ça fera pas de classe. Hein. Meurs. Tue-le maintenant. Ah non. Putain, si elle meurt maintenant, c'est tellement la décevance. Non, elle meurt pas. Vive attaque. Mon Jaxi qui a failli ruiner la game, ruiner l'e-sport encore une fois. C'était rien du tout. Donc c'est parfait. Twi, Psycho-Quack. Psycho-Quack, je propose de prendre. Tweet. Non, parce que Psycho-Quack il fait un peu son malin. Psycho-Quack. Oh, mais niveau 26! Oh, mais alors c'est la balade. Hein. La balade totale. Donc regardez le magnifique Twix. Qui va lui mettre vitesse extrême. Meurs. Oh, il est pas mort. Merde. Vitesse extrême, c'est pas si bien que ça. Hein. Moi, je trouve que c'est pas si bien que ça. Désolé, mais voilà. Je vous le dis. Voilà, je vous le dis. Je vais le tuer avec cascade. Truc ridicule, c'est le tuer avec cascade. Vitesse extrême, je trouve pas ça si fort. C'est parce qu'il n'a pas de dégâts, non?
Ah, c'est 80 dégâts, mais c'est parce que là, mon Draco n'a pas de... comment ça s'appelle, de force, pour l'instant. Dans la marine, on met pas de petites de la marine, on met pas de dégâts. Voilà, c'est bon. Son pote y est allé. Nickel. Alors nous, on va se soigner parce que là, bon, Chexy a failli crever et tout, c'est la merde. Voilà, un petit lit douillet. Allons pioncer. Et c'est parfait. Et donc, du coup, maintenant, on va voir. Le mec va nous laisser passer, j'espère bien. Maintenant qu'il a retrouvé son pote. Avant qu'on arrive à Carmin-sur-Mer, quand même. Oh, merci, please. Il y a quoi dans la poubelle? Il n'y a rien dedans. Qu'est-ce qu'il me dit, lui? Il me dit de fouiller les poubelles, je suis sûr. Ah non. Même pas, c'était un piège. Oh, c'était un trap. Alors, c'est quoi ce mec? Ok, c'est Jérôme Ajax. Chico. Le mec s'appelle Chico. Chico Jungler. Ok, Chico. Qu'est-ce que tu nous sors? Tu nous sors un monsieur minime des familles. Donc, on est contre Chico, les amis. Fait très peur, niveau 29. Ouais, écoute ça, Rance, hein, tu sais ce que tu dois faire. Ça s'appelle roulade. Meurs! Oh, les dégâts. Ouais, c'est ça, protection. Très bonne protection. Meurs! Mais putain, s'arrête! Non! Oh, mais c'est infâme, quoi. Le mec loupe ses roulades, quoi. Putain, mais please. Tant pis, je refais roulade, j'en ai rien à foutre. Je veux que le mec meure à la roulade. S'il te plaît, quoi. Respecte-moi. Ah, on loupe les torgnoles, hein. Meurs! Le dernier coup va le tuer. Putain, le mec, hey, il se perd ma buff. C'est incroyable de voir un combat où le type en face se perd ma buff, mais il meurt. C'est dommage. Tu aurais pu faire quelque chose, mais tu es mort. Donc ça ne servait à rien. Allez, Sand qui passe niveau 33, magnifique. Sand qui prend les levels là. Oh, météore. 4 capacités. Non. Oui. Non, j'ai des trop bonnes capacités pour en prendre météore maintenant. Mais qu'est-ce qu'il a? Ma chopper, non. Alors ma chopper, le truc c'est que la roulade sera pas très efficace, mais elle sera stackée 3 fois déjà, donc on va voir. Meurs! Oh! Oh! Oh là, c'est pas très efficace. Excusez-moi, c'était pas très efficace. Oh les dégâts! Les dégâts monstrueux. Meurs! Oh là 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 là, mais ça carry de A à Z. Incroyable. Parfait, j'espère qu'on a encore un coup de roulade. Il va utiliser qui? Magma. Oh, Magmar, nice. Magmar. L'homme qui avait un cul sur la tête. Bah, meurt, hein. Roulade. Oh. Oh là 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 là. Bon, bah, le mec me brouillard. C'est bien, Magmar, tu as essayé de brouillard. Ça pouvait t'aider. Mais tu es mort. Voilà, c'est terminé. Magmar, tout shoot. Dégage, à plus en LAN. Et ben c'est parfait, on a tué Chico le jongleur. Salut. Y'a personne ici, y'a rien. Ok. En fait là c'est une espèce de dortoir. Les mecs se dorment les uns sur les autres. C'est assez dégueulasse. Ah, y'a un marin ici. Ok, le marin. Y'a un de tel qu'on voit pendant la pause. Viens marin. Viens mon petit marin. Donc là, on rappelle qu'on va dans la cabine du commandant parce qu'on cherche la petite fille de notre con là qui se touche la nuit dans sa cellule, j'ai envie de dire, dans sa piole, pendant que nous on fait son travail. Ça, c'est quand même assez extraordinaire. C'est parti pour les roulades. Mais oui, non, mais croc de mort, ça fait pas de dégâts. Arrête, la trouille, ça suffit. Hein. Allez, meurs, rat-attaque. Rat-attaque, c'est fort en early, hein, c'est fini ça. Ah, si vous voyez la game, ça sert à rien. Putain, il va me tuer. Il meurt au prochain tour, mais bon, c'est bon. J'attaque, ça reste pas 31. Allez, crève. Parfait. Ok, on tente le all-in sur le prochain Pokémon. Je propose le all-in. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il va m'appeler? Ah, non. Meurs, ratata. Alors attention, le moment de vérité. Non! Oh la pute! Oh non, il est pas sérieux! Oh, ce chat, please quoi! Oh le mec, tellement de chatting de l'extrême! Oh là là, non, là je suis désolé les gars, il y a trop de chatting! Oh non, mais là c'est inadmissible! Bon, bah tant pis, on va prendre. Prenons Chexy. Tiens, elle va mourir.
Non, 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 mais là, il a tellement chaté, please, quoi. Enfin, non. Jaxi, je suis sûr, elle va pas pouvoir le tuer. Hein. Ça, je mets ma main à couper. Un putain de ratatac, elle va mourir. Jaxi, est-ce que tu sers à quelque chose dans cette équipe? À part utiliser vol. On va vite le voir. Oh là là, oh là là, elle pue la merde. Jaxi, ça sert à rien. Ça sert à rien. Oh, je la tue, je la sacrifie. Désolé, je la sacrifie. Trop chaud. Oh non, non, mais non, non, c'est bon, ça sert à rien. Allez, meurs. Meurs, Jaxi. Oh putain, on va peut-être le tuer. Ouais, elle va peut-être le tuer parce que le mec est con, il a pas fait trop de morts. Attention, moment de vérité. Oh, le hold-up. Hold-up de Jaxi qui le tue. Alors là, bon, là, c'est de la grosse chatte. La pire chatte. Là, on mérite... elle méritait pas de gagner, Jaxi. Là, elle avait tellement ruiné l'e-sport. Bon, faut que j'aille soigner mon Sarenz, là. Ça me saoule. Oh, merde. Allez, ma casquette à l'envers. Go. Go soigner Sarenz. Où est Sarenz? Alors, on va à la cabine vite fait, on y retourne après. Alors là, j'ai vraiment besoin de Sarenz. Il faut que je le pex. Parce que c'est un sablero, certes, mais un sablero de type qualitatif. Voilà, c'est parfait. Oh là 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 là. Tu mettais ta main à couper? Non, pas du tout. Non, c'était pour voir si vous suiviez. Ça n'a rien à voir. Je ne mettais pas ma main à couper, ok? Calmez-vous. Calmez-vous dessus. Ok, c'est bon. Alors là, il nous reste pas grand chose à faire. On va passer cet instant ici. Ça c'est fait. Ici c'est fait aussi. Là, quelqu'un va nous agresser, comme elle. Salope. Je m'ennuie combat. Tu une médaille? Ok, let's go. C'est quoi? C'est une Pokémaniaque? Non, c'est une pique-nique. Merde. Des bras, ça s'appelle. Ça y est, cool. Merde, un poisson roi. Mais qu'est-ce qu'il fout avec un poisson roi là? C'est aucun sens. Ce mec s'appelle pique-nique. Enfin, la meuf, pique-nique. Elle a un poisson roi, donc on va le tuer avec tranche. Il faut le tuer avec tranche parce que sinon c'est la merde. Merde. Oh nice. Oh allez, tu pues. Dégage. Allez, le critique. Et voilà. C'est pour toi, public. Meurs, poisson roi. Alors, est-ce qu'il a un autre Pokémon? Non, c'est tout. Bon bah c'est bon. Allez, crève. Ok, là c'est parfait. On a ce qu'il faut. Des cabines. Oh man. D'accord, le commandant est un pédophile. OMG. Oh là là, merde. Non mais meurs toi, il y a ton grand-père qui te cherche. Alors on s'est téléporté. Oh, je jouais avec le capitaine et ce garçon, c'est... Oh là là. Oh, elle jouait avec le capitaine, mon dieu. J'ai vu l'âge du capitaine, mon gars, c'est un peu bizarre. Hein. On m'a dit que tu as pris soin de ma petite fille, je tiens à te remercier. Ah, nice, une peau métal, super cool. Et comme par hasard, on arrive à ce moment-là. Adieu, fuyons. Donc oui, le capitaine a bien pris soin de ta petite fille, car elle a perdu sa virginité. C'est dégueulasse. Allez, go. Go, Karma sur mer, dégage. Allons-y. Les gars, on est à Karma, putain. Là, j'ai la pression, nous sommes. Putain, les gars. La musique. Putain, on est à Karma sur mer, bordel. Wouh. C'est la guerre, Carmin sur mer. Oh, c'est trop bien. Oh, c'est trop bien. On est à Carmin sur mer, bordel de merde. Oh là là. Oh, fluide brut. Nice. Pas de limite. Bah oui, bien sûr. J'ai oublié d'aller voir le capitaine. Il y avait quoi au capitaine? Non, mais rien à foutre, moi, du capitaine. Il me donnait quoi, le capitaine? Non, mais le capitaine, il me donnait quoi? Vas-y, dites-moi ce qu'il me donnait. Vas-y, allez-y, allez-y. Allez-y, dites-moi. Non, mais go me dire ce qu'il avait. D'accord, ok, please. Please, dites-moi. Dites-moi ce qu'il me donnait, le capitaine. Je vous écoute. Je vous écoute. Il me donnait quoi, le capitaine? Rien. Rien. Il donne rien du tout. Eh ben, meurs, mec. Rien à foutre, moi, du capitaine. Je l'ai déjà pour métal. Non. Et voilà. Donc, il n'y a absolument rien. Alors, attendez, il y a une arène. Là, normalement, c'est Major Bob, là.
Oh pute. Le Major Bob à fond en mettant de dresseur de Pokémon. Qu'est-ce qu'il me raconte, tu vois. Non mais on s'en carre, franchement on s'en carre, on s'en fout. Carlos guitariste. Alors descend, il envoie un Magnéti. Alors Magnéti, on est niveau 27. Salut la chienne, niveau 27 meurt. D'ailleurs, hop, je te tue à la roulade. Eh oui mec, je te tue à la roulade, je te respecte pas, c'est pas très efficace. Oui, verrouillage, fais ton verrouillage, meurs Magnéti. Allez hop, c'est parti. C'est bon, il meurt. Ah, il dégage. Voilà, c'est parfait, on l'a tué à la roulade. Who's next? Who's next? Who's next? Sarence, là, il va faire le café dans cette arène. Magnéti? Non, je change pas de Pokémon. Alors, Magnéti, alors attendez, on va voir si le one-shot en étant pas très efficace. Niveau 32. Meurt. Oh là là, oh là 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 là. Putain. T'es fait dégommer. Le mec fait que verrouillage, quoi. Ça pue. Hein. Je dois refaire des roulades. Ok, parfait. Terrible, terrible ce type. Alors, qu'est-ce qu'il a? Il va utiliser Magnéti. Bon, allez, on change de Pokémon quand même, hein, parce que c'est un Magnéti. Prenons Sky. Tiens, Sky, au moins, il va les one-shot. Venez, on va monter le summum du non-respect avec Sky. On va le tuer avec Flamèche. C'est l'attaque de base, quoi. Genre celle que tu gardes pour le fun. Meurs avec de la Flamèche! Attention, Magnéti. Ah! Ah bah il est mort, il est mort, voilà exactement, il est mort. Dans ce cas il lui pisse dessus. Ah nice, Twix est niveau 38. Hâte. Non mais on s'en carre de hâte. Voilà c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il m'a appelé Magnéti encore? Voltorb, voulez-vous changer de Pokémon? Alors pour Voltorb, je propose de prendre Twix. Histoire 2. C'est en Voltorb niveau 33, c'est parfait. Twix qui va se dégourdir la patte et qui va le dégommer. Vitesse extrême. Voyons voir les dégâts de vitesse extrême. C'est quand même une vive attaque qui fait des dégâts. Le mec il veut me tuer avec roulade, allez meurt. Yeah, non, là, c'est bon, ça va. Ça va, ça va, ça va. Calme-toi de suite. Hein. Si tu fais cette roulade, c'est que je te permets. Hein. Je te permets de la faire, hein. C'est tout, ça s'arrête là. Voilà, c'est parfait. Twix qui a deux fois de l'expérience parce qu'il est beaucoup trop beau. Allez, dégage. Alors, merde, il y a le mec à côté. Bon, j'espère qu'ils ont vraiment des vrais Pokémon électriques. Est-ce que Major Bob a les mêmes Pokémon que dans la, comment ça s'appelle, dans la version jaune et tout ça? Est-ce qu'il a genre Raichu, tout le bordel? On est d'accord. Il me semble, non? Il me semble. Bon, allons-y, un coup de roulade. Oh! Ça va être un combat de roulade. Ça va être un combat de roulade. Sauf que moi, je vais gagner, mec. Meurs. Il a Electek, Raichu. D'accord, ok, parfait. Alors, Electrode! On est deg? Alors, Electrode ne peut rien faire. Il est déçu, là. Meurs de la roulade. Moula Zegibal. Ok. Quel est le prochain? Ah bah c'est parfait Electrode, tiens. Est-ce qu'il va me faire une roulade lui aussi? Ah, fais-moi une roulade Electrode, voyons. Je t'en prie. Mais je t'en prie, fais-moi donc une roulade. Coup critique, oh là là. Les gros dégâts d'Electrode. Meurs de la roulade. Regardez les dégâts oh, monstrueux. Monstrueux damages de la part de Sarent qui passe au niveau 34. Nickel. Alors quel est le prochain? Electrode? Putain le mec a que des électrodes quoi. Ok je vais faire en full team à coup de roulade. Je crois qu'il a pas compris que ça marchait pas. Un de dégâts. Oh mon dieu. Meurs. Voilà c'est le one shot aussi hein, forcément. Oh là là tellement fort Sarens quoi. Il fait full team. Sarens qui est parti pour un full team. Mais c'est électrode. Non je change pas. Alors là, je propose de mettre un coup de tranche. Ah, vous voyez les gros dégâts qu'il a pu me faire subir hein, depuis le début, parce que c'est extraordinaire. Donc la tranche qui est passée, un autre coup de tranche, et c'est terminé, Tarpu Electrode. Donc là, ça... Quoi? Oula.
Alors là, par contre, je demande un remboursement intégral du jeu. Là, remboursement intégral du jeu. Bon, on le tue avec coupe. Comme ça, il n'y a plus de respect. Voilà, meurs. Quoi ? Non, mais ça rien, tu fous ma gueule. Ah, merci, please, quoi. C'est un pentalectrode, exactement. Et surtout, j'ai gagné beaucoup d'XP avec tout ça. Parce que, à coup de 529 à chaque fois, ça fait plutôt du bien. Alors, est-ce que je suis obligé de passer par les poubelles pour aller le chercher ? Comme dans les autres versions, je me souviens pas. Enfin, dans les autres versions, dans la version originale. Il faut trouver tous les interrupteurs et tout, c'est trop chiant. Ok, il envoie Pikachu. C'est vrai que Pikachu, malheureusement, face à Sarent, il fait pas grand chose. Niveau 37, donc à mon avis, il a qu'un Pokémon. Allez, meurs Pikachu. Ah ouais, mais tu vas utiliser quoi, Pikachu? Hein, tu peux utiliser que ça, moi je suis seul. Donc je te pisse dessus. Oh, il loupe son attaque. Oh, il met une souplesse. Extraordinaire, cette souplesse. Allez, meurs. Putain, Sarent. Attention, Sarent. Il y a des trucs que je n'accepte pas, quand même. Hein. C'est-à-dire, louper 3 fois d'affilée étrange, ça me ferait chier. Voilà. Donc ceci n'était pas un coup critique. Oh, merde. Oh, c'était pas un coup critique et il est mort. Bon bah j'ai tout shot. Tout shot. Et je gagne 300 d'XP. Où est le respect, quoi? L'énergie. Ok. Ok, l'énergie si tu veux. Encore en défense. Tranche. Meurs l'énergie. Oh là là, oh là là, oh là 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 là. Oh mais c'est un festival. C'est un festival. Sarent qui nous régale. Et qui pisse un petit peu sur tout le monde. Sans aucun problème, voilà, meurt. Et l'énergie qui est tombée aussi. Bon bah écoutez, ce Sablero est beaucoup trop fort. Le Major Bob, je pense qu'on va faire full team comme ça. En plus, je me dis qu'il a Electek et Electek Raichu. Ah oui, d'accord, on a pas besoin, ok, super. Est-ce qu'on a de quoi le soigner? Parce que je veux pas aller au centre Pokémon. Autant prendre un truc si on. Alors, on a une hyper potion. Ça fera l'affaire. Voilà, let's go. Allez, Major Bob, bonjour. Et toi, le lutin, on peut dire que tu as du courage de venir me chercher des noises. Moi, je suis le boss des Pokémon électriques. Je n'ai jamais perdu en combat. Je vais te punir comme un entraînement. Ok, d'accord. Il est super drôle, ce mec. Donc, on va le démonter. Alors, Major Bob, regardez-le, là, avec sa tenue de guerrier. Alors, qu'est-ce que tu nous donnes? Réchu. Oh, putain, niveau 44. Qu'est-ce qu'il fout niveau 44 là? Malade lui. Niveau 44, mais d'où il est niveau 44? Ah, c'est pas normal là. Oh, c'est pas normal là le gars niveau 44. Pourquoi il est niveau 44 le mec? Le mec il met un coup critique. J'avoue, c'est un Raichu obèse dans cette version. Oh là 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 là. Il est obligé de faire que des vives attaques parce qu'après je suppose qu'il a que des attaques éclair. Des attaques de type électrique. Non mais je suis dégoûté parce que Electek 46. Mais c'est quoi ces conneries? Comment ça se fait? Non, quel honneur. T'sais, les mecs sont devenus trop forts. Non. Attends. Electrode, d'accord. Niveau 40. Meurs. Voilà. C'est qui le prochain? Non, change pas, parce qu'il y a encore la roulade. Alors, Electek! Putain, niveau 40. Non, il n'y a plus de roulade! Merde. On le tente. Parce qu'il a que des attaques électriques, de toute façon. La spéciale. Oh, merde. Alors, je vais crever à coup de l'attaque. Alors, là, je vais mourir, merde, fais chier. Ah, Sarent, c'est dommage. Ah oui, deux coups critiques. Bon, Sarent qui a fait le café, tu lui as pissé dessus. C'est quand même fou, c'est quand même fou tout ça. Tu savais pas que le mec était niveau 46, quoi. My god, en quel honneur il est niveau 46. Dans Pokémon version jaune et tout, il est. Non, je peux pas le rappeler, il était sous roulade. Dans Pokémon jaune, quel niveau il est normalement, le mec là?
Enfin, non mais please, enfin please. C'est une blague. C'est une balade. Il va me tuer ce con. Il va me tuer ce con. Ah! Alors là on va faire... Ah oui, il y avait mur lumière, d'accord. Ah, tu loupes ta Fatal Food, meurs. Il y avait le mur lumière, c'est pour ça que ça avait augmenté la défense. Alors attendez, on va utiliser dans le sac, on va utiliser en rappel. Au moins Saren ne subira pas les dégâts. Il va me tuer. Il va me tuer. Il va me tuer ce con. Oh! Alors, brûle en enfer! On va prendre Pokémon, Sarens. Et voilà, Skylar qui va survivre. Ouf. Ah, Fatal Fury, il en a aucun effet, mon gars. Brûle! Et là, je vais faire un vieux truc trop pourri, je vais te tuer avec coup. Et brûle! Ah là là, ridicule! il est mort avec la brûlure. Et parfait, Twixie mon niveau 39. Mais c'est incroyable. Ah, ils se mettent à niveau en fait, c'est tout simplement ça. Non, on va pas changer. Je propose de faire une roulade sur cet homme. Coulons-lui dessus. Meurs. C'est parfait. Donc lui va faire quoi? Reflet. Non mais alors j'ai juste une peur. Oh merde, reflet c'est chiant par contre. Reflet c'est chiant parce que voilà. Parce que ça va être coupé. Ah il a météore. Ah ça va être un peu chiant. Surtout que ce qui me fait peur les électrodes c'est les explosions en fait. Oh là 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 là. Ouah, ça arrête de prendre la bite. Hein. Ça arrête s'il va prendre assez cher. Oh nice. Oh nice. Oh nice. Oh nice. Meurs. Ah non en fait ça tu pisses dessus. Alors qu'est-ce qu'il va appeler? Magnéton. Bon j'aurais bien appelé Sky mais il est dans la merde. Bon ce que je propose c'est qu'on appelle Chexy pour la sacrifier. Appelons Chexy. Sacrifions Chexy. Moi je propose qu'elle meure. Je propose un sacrifice pour apaiser les dieux. Apaisons les dieux. Meurs Chexy. Oh putain. Il a loupé son attaque. Tiens, jet de sable. Ceci est un sacrifice. Sacrifions ce poulet. Voilà, elle est morte. Adieu, Chexy. Là, elle survit, c'est genre le truc improbable. C'est bien fait, merci Chexy de ta participation. Ça sert à rien, ça sert à rien du tout. Écoutez, on va prendre. On va prendre Sarance. On va rester avec Sarance. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui faire d'intéressant? Un coup de boule. Boum. Ça fait pas de dégâts. Bon, enfin, une roulade alors. Il a la trouille. Faisons des roulades. Il n'y a que ça à faire. Putain, ça insulte pas tes attaques. Ça ne m'affecte pas. Bah oui, bien sûr. Ok, c'est parti pour 8 heures de combat. Waouh, c'est un coup critique. En fait, il ne peut rien me faire hein, avec canon et tout ça. C'est horrible, hein, les Pokémon sol. Il peut rien faire du tout, le mec. Je peux juste lui pisser dessus. Il ne peut rien faire. Ah, il a météore. Pardon. Excusez-moi, monsieur. Monsieur a météore. Excusez-moi. Moi j'ai roulade mec. La roulade qui commence quand même à peser dans le milieu là. Verrouillage, parfait, il me vise. On est content pour lui. La roulade encore une fois. Oh là 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 là, mais c'est un festival. Alors là s'il fait un coup critique je suis complètement deg. Meurs de la roulade. Et voilà. C'est parfait. Non mais Sky il avait 3 PV et il était paralysé. Donc j'avais pas utilisé Sky hein. Moi je suis un mec qui fait pex les autres Pokémon. Nice, j'ai le badge de foudre. Super. Porte-le fièrement. Bah oui, je le porte fièrement. Alors, ok, ce qui me surprend, c'est que vraiment... Là, les niveaux, what is the fuck, hein. C'est-à-dire que les mecs sont beaucoup trop chauds, hein, beaucoup trop forts. Les mecs censés être une grosse merde. Il y a les Pokémon niveau genre 25, un truc comme ça, je crois, dans la véritable version. Et là, oui, non, mais niveau 46, tout va bien. Tout va bien, 46. Alors, j'imagine pas Pierre. Pierre, il a les Pokémon niveau combien, d'ailleurs?
pourquoi tu as commencé à Carmin? Parce que je suis arrivé à Carmin. Parce que la première ville de canton dans laquelle tu arrives, c'est Carmin-sur-Mer. Et voilà. Je vais aller voir Pierre, hein. Je vais aller voir, c'est le premier dresseur, donc il doit être dégueulasse. Non, c'est fermé. Oh putain, mais non, mais vous faites chier, les gars. Oh. Les mecs me collent des aventures et tout, là. Le problème à la centrale. Oh là 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 là. Ah merde, il y a des dresseurs ici. Je crois qu'ils allaient me donner des informations. T'es sérieux, Pierre? Pierre est niveau 70, mec. Arrête-toi. Oh, arrête-toi, mec. Ça, j'y crois pas. Non, 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 non. Il est pas niveau 70. Hein. Stop le mytho, quoi. Please, enfin. S'il vous plaît, quoi. Allez, meurs. T'es dur, ça. Il est 50. Non. Mais c'est censé être le moins fort. Comment le mec pourrait avoir les mêmes, quasiment les mêmes niveaux de Pokémon que le Major Bob? Ça n'a aucun sens. Mais d'accord. Moi, j'y crois pas. Non, c'est mort. Pierre 41-45, d'accord. On a battu Alain. Super. Bon, en tout cas, on a récupéré un badge tout de même. On a récupéré un badge, c'est pas mal. C'est bien d'avoir un badge supplémentaire qui augmente la vitesse de mes Pokémon, en plus c'est magnifique. Donc c'est extraordinaire. Il envoie Fampi. Ok, magnifique. D'accord. Bon bah écoutez, on va le tuer avec des coups de boule. On va taper dans la roche. Ah, t'as la trouille, hein, tu as la trouille. Mais alors... Et voilà, il est mort. À plus en LAN. Ah mais non, ça avait pas de coup critique. Ça avait pas de coup critique. Merci bien, quoi. Ok, coup de boule. C'est parfait. Donc là, c'est récupéré avec Sarens. Sarens, là, qu'on a bien pex comme il faut dans cette game. Hein. Non, dans cette partie du let's play, la Sarens, c'est vraiment au top. Hein. Adieu Rex. Il est mort. Ok, parfait. Alors, est-ce qu'on passe par la grotte Topiqueur ou pas? Ça, c'est ma question. Pierre à Gravalanche, niveau 41. Rhinocorne, niveau 41. Amonita, niveau 41. Kabutops, niveau 42. Onyx, niveau 44. D'accord. Alors, le mec, quand il va, normalement, il a juste Racaillou et Onyx. Et là, il est trop fort. C'est genre, il a tous les Pokémon du monde, quoi. N'importe quoi. Please. Oh là là. Ok, d'accord. Bah, écoutez, on en apprend tous les jours. Alors, les boutiques ont dû se mettre à jour aussi, j'espère. Alors, achetant hyperbole, hyper potion. Je sais pas, on va en acheter 5. Voilà le rappel, on en achète 2 ou 3, voilà. Antipara, anti-brûlure, non mais ça s'en fout. Mais la musique est trop bien de Carmin sur Mer, j'adore cette musique. Alors, est-ce que... Ah mais y'a pas... Eh oh, là on... je me fais pas un peu arnaquer là, normalement y'a une... Oh là là, l'arnaque totale. Oh please. Oh là 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 là. Oh sérieux, ils ont rajouté le ronflex des familles. Donc il faut faire le problème de la centrale. Mais où est la centrale? Où est le respect? Donc la centrale, je suppose que c'est là-bas. Ça doit être ce qu'il y a là. D'accord. Ah non, on a un safranier ici. Oh putain, il y a plein de trucs dont je me souvenais pas. Alors safranier, normalement il y a deux arènes. Ok, bon les gars, on rush les arènes. Champion d'arène Safrania, c'est Morgane. Pokémon Psy. Et là, c'est le dojo. Bon les gars, let's go. Oh putain, sérieusement. Nice. Il n'est pas là. Bon, on a l'autre arène normalement. Bon, c'est du Pokémon Psy ici. Bon, c'est ce qui me fait un petit peu peur. Là, genre, les Pokémon Psy, c'est un peu fort. Bon, vas-y, on la démonte, elle. Level 48, Max Morgan 48. Oh, please. Il faut que tu mettes la radio. Ah, faut mettre la radio, c'est pas la Pokéflute pour renflex. Et va capturer Elector. D'accord, ok, les gars.
Ok, ça marche. On va faire comme ça. Meurs. Non, ça va. On a quand même roulade et roulade, c'est fort. Roulade, mine de rien. Après, s'il ne one-shot pas les mecs en face, roulade, c'est très très fort. C'est pas du Pokémon Spectre sur lesquels je ne peux rien faire en fait. Je peux pas les toucher avec des. Ils vont m'enlever roulade. Oh, please quoi. Non, mais please. Oh, le pire, c'est que ça me fait perdre un tour parce que je suis obligé d'utiliser roulade. Oh non, mais please. Merci. Oh la chatte quoi, le mec quoi, please. Allez, meurs. On va aller capturer Lugia. Non mais attendez, on va les faire les Pokémon. Ne vous inquiétez pas, les légendaires, on va les faire. C'est jusque là. Bon, pour l'instant, toujours sur un travail. Pour l'instant, je préfère récupérer un peu d'XP avec les arènes. D'ailleurs, la Master Ball, il vaut mieux l'utiliser sur qui? Est-ce que vous pensez que la Master Ball, il vaut mieux l'utiliser sur Lugia ou Ho-Ho? Je ne sais pas. Eh ouais, mec, tu te fais tout top. Allez, à plus. A plus en LAN. Dites-moi. Tu vas les capturer avant d'aller. Mec, s'énerve et tout. Oh, capture-les, salut. Parfait. Sur Lugia, non. Parce que je crois qu'il est le. Je crois que c'est le mec. Non, mais Mewtwo, on peut pas l'avoir dans cette version. Parce que d'après l'histoire, Red l'a déjà capturé. Et oui. Red est vraiment trop vénère. Monsieur Mime. Bon. Roulade meurt. Bon, ça va là. Vous voyez, Sarens commence à faire énormément de damage. Ok, ça c'est l'attaque spéciale. Non, la défense spéciale, pardon. Donc c'est parfait. J'en ai pas besoin. Meurt. Ah, ici, trichote. Putain, il va me toucher 5 fois. Oh là là, mais s'il te plaît. Oh, les ordis, c'est toujours ça quoi. Les ordis, les mecs te touchent toujours le maximum de fois quoi. Ah, please quoi. Allez, meurt. Ok, c'est bon. Oh, il passe pas le level. On prend le prochain Pokémon, je sais pas qui c'est, mais il meurt. Oh, c'est le 9, parfait. One shotted. Ah, par contre, je sais pas, non. Parce que ça doit pas être très efficace, il me semble. Ouais. Ah non, ça va, bon, il meurt. Meurt, le 9. Voilà, on passe le level 36. Ça fait zizir. Et le dernier, c'est qui? Noix de coco? Non, c'est encore nous. Bon, bah, il est mort. Donc, nickel, bon. Écoutez, là, pour l'instant, c'est honnêtement, c'est une balade. Une balade de promenade de santé. Une promenade de santé. Bon, par contre, les Pokémon me donnent 0 d'XP. Ça m'énerve un peu. Bon, je perds mon temps avec ces gens-là. Mourez. D'accord, je reviens au début. Magnifique. Ah, celui-là, je me disais bien, je ne l'ai pas vu encore. Bon, je ne connais plus l'ordre. Moi, je suis la 6ème arène. Alors, vu que je suis la 6ème arène, mais que dans l'ordre, la 6ème arène est plus forte que la 5ème ou quoi que ce soit. Mais vu que je suis arrivé à Carmin-sur-Mer, d'après la théorie, vu que vous arrivez là-dessus. Enfin. Ici, ils savent que vous allez faire cette arène assez rapidement. Donc je ne sais pas si c'est le plus fort ou enfin s'il est vraiment fort ou pas du tout quoi. Oh putain, il a pistolet à eau, please quoi. Ah, me faire dégommer. Allez, un petit coup critique là, tranche. Allez, Saren, c'est moi du rêve. Pour moi du rêve, mon gars. Non, pas trop le rêve. Moyen, moyen le rêve. Hein. Moyen, moyen, moyen. Oh là, je vais mourir. Bim! Parfait. C'est pas grave, on s'en ira plus tard. Qu'est-ce qu'il va nous appeler? J'espère qu'il n'a pas un autre. Oh putain, Flagados. Bon, on va clairement changer de Pokémon. On va prendre Sky. C'est aussi fort, vous me dites. Ah ouais, Alakazam! Oh merde! Alakazam, level 48. Oh mais please, quoi. Level 48. Oh le mec invincible. Déjà, il a Alakazam, perso le plus fort du monde. Avec Staros. Oh, et Staros c'est broken. Oh, meurt. Oh, je t'ai pissé dessus. Oh, t'es nul. Un 0 sur 0. Oh, mais c'est parfait. Alors, c'est quand même ouf, je trouve, qu'à Kanto, les champions d'arène soient plus forts que la Ligue Pokémon. C'est genre tout va bien.
Bonjour, la Ligue Pokémon? Non, mais nous on leur pisse dessus, on est à Kanto. Kanto, c'est pour les bonhommes. C'est à peu près ça leur discours. Parce que Kanto, enfin à Johto, la Ligue Pokémon, les mecs, ils ont pas des Pokémon comme ça. Alors. Putain, c'est pas. On a mis amené ou quoi, c'était quoi? Oh, mais meurt! Je l'ai fait ou pas lui? Non, j'ai pas fait. Oh là 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 là! Il s'entraîne avec Red, le meilleur! Exactement! Non, le meilleur c'est moi. Avec Jiraya, le meilleur. Kadabra. Ok, ma gueule. Tu as un Kadabra niveau combien? 37. Très très intéressant cette théorie du Kadabra. Alors, Kadabra, ce que je te propose. Bah, il prévoit une attaque, ouais, prends ma tranche. Super. Alors, Kadabra, on a prévu cette attaque dans ta gueule? Hein? Tu l'as prévu, ça? Meurs! Allez, à plus. À plus en LAN, le non-respect. Kadabra, le personne, c'est genre le truc trop fort, battu par un sablero. Est-ce qu'il y a un problème? Non mais, please! Ah! Meurs, Morgane! Mange, mon zizi! Alors là, on va la violer. Oui, oui, alors, ça, tu me racontes ta vie, toi, tu me racontes ta vie. Kadabra est énervé dans le nouveau patch. Ouais, exactement. Ouais, et Twix petit à petit devient le perso le plus OP du monde. Oh, Mentali, c'est mignon. What? 46? Oh merde! Oh merde! Meurs. Oh là 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 là, mais. Oh mais please quoi, psycho quoi, psycho, mais c'est. Mais... Oh mais n'importe quoi, ok d'accord, ok. Ok, je voulais pas en arriver là, mais meurs! Oh, je vais pisser dessus moi, tu vas voir. Malade, c'est genre n'importe quoi, Mentali. Mentali, le perso complètement fumède. Moi aussi j'ai des attaques. Hein. Jet de sable. Tu crois que tu vas me tirer les jets de sable? Meurs! Allez là, coup critique, putain Sky! Rends-moi du rêve! Nice. Non mais alors là, ça c'est l'équipe, tiens, voilà. Je vais te montrer comment je te respecte pas, c'est-à-dire que je te tue avec météores. Allez, meurs! A plus en LAN! Ok, alors là, qu'est-ce qu'il va m'appeler? Monsieur Mime. Alors, pour Monsieur Mime, je propose le sacrifice du jour. C'est sexy. Alors attendez. Là il faut le sacrifice. J'ai de sable. Meurs. Voilà, c'est super. Non mais elle a qu'à tenir aussi, elle meurt. Elle meurt en un coup, oh, là, là, ça sert à rien. Please quoi, ça sert à zéro. Allez dégage. Voilà, c'est parfait. Non, c'était surtout pour altérer les états de, du jet de sable sur, sur Sky. Allez, roue de feu dans ta tronche. Subis mon courroux. Ah oui, go Zerator avec, avec morsure. Ouais, mais Zerator il va prendre un coup de. Protection. Il va prendre un coup de psycho, il est mort. Il a perdu la game, Zerator. Donc là, il monte sa défense, qui ne sert absolument à rien. Puisque j'ai fait des attaques spéciales. Quoi? Putain, mais le mec, il spam le bouclier. C'est nul, bah, il meurt. Ouais, c'est bon, il est mort. Zerator va prendre la vie. D'accord, go Zerator, vous me dites, on va prendre Zerator. Ok, je vais vous faire plaisir. Face à Alakazam. Attention, mesdames et messieurs, préparez-vous à un match d'anthologie. Zerator versus Alakazam. Tout de suite, c'est seulement sur la Eclipsia TV 2. Oh my fucking god, level 48 contre un niveau 33. Qui va remporter la victoire, un shiny qui plus est. La pression est à son comble.
Et voilà, le match est terminé. Meurs, Zerator. Il est mort, là, il est mort. Oh, 8 HP, meurs. Oh, les dégâts monstrueux de Zerator. Et voilà. A plus en LAN. Voilà, Zerator a été sacrifié également. Revenons à nos moutons. Venez, on y va avec Rurk. Bien sûr que ça s'évanouit. Danse plus, plus surf. Ridicule. Oh merde! J'ai fait danse pluie, mais le problème c'est que si je passe avec Skyheart, après ses attaques feu seront moins fortes. Faut pas que je meure. Non mais calme-toi. Calme-toi de suite. Le non-respect, quoi. Ah, c'est bon, meurt. Alors, Alakazam! Oh! Alakazam, man! Alakazam, c'est ça, utilise-toi l'hyper potion! Sale gueudin! Connasse, meurs! Surf! Allez, à plus! Danse plus, plus surf! Te pisse dessus, mon gars! Oh! Oh, les dégâts! Alors! Alors, tu pleures! Oh non, il va me tuer! C'est tellement fort, ça! Non, non, normalement, il ne me tue pas! Voilà, meurt. A plus en LAN. Et voilà, Alakazam, tu as perdu le game. C'est mauvais. Erreur qui passe niveau 44. Parfait, le Suicune. Et voilà, Morgane, alors on est nul. Alors, les seuls Pokémon qu'on me tue, c'est les Pokémon que j'ai décidé que tu me tues. T'es mauvaise, Morgane. T'es mauvaise. Je t'ai pissé dessus. Donne-moi le badge Marée avant que je m'énerve. Alors, qu'est-ce qu'il me donne ce badge marée? Le badge marée, merci. Fin du game. Le badge marée renforce les pouvoirs occultes. Et ça, c'est pas de la gnognotte. Qui? Ça, c'est pas de la gnognotte. Tu deviendras un maître. Bah, je le suis déjà, donc juste ta gueule. Please, respecte-nous. Bon, allez, on rentre. On rentre à la cassa. Voilà. Allez, à plus en LAN. Allez, on va soigner tout le monde. Donc là, c'est parfait. C'est parfait. On a bien avancé. Et on est à Safrania, je le rappelle. Soignons tout ça. Bon, écoutez, les amis, hein, on va pas continuer plus loin pour cette partie de Let's Play. Sinon, ça va durer des années et des années et des années. Nous allons sauvegarder ici. Ici même, dans ce centre Pokémon magnifique de Safrania. Merci à tous, une fois de plus, d'avoir suivi ce Let's Play Pokémon. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que vous êtes régalés. On a déjà deux badges à Kanto, donc on va continuer sur ce périple, sur ce chemin là. On va devoir aller péter des ronflex. Pierre, j'ai hâte d'aller voir Pierre, j'ai hâte de voir aussi comment ça, Ondine avec Staros. Staros est trop fort, hein, donc j'ai trop peur. Ça va être complètement malade. Je vous fais des bisous, merci, faut vous avoir suivi. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, facebook.com/girelecochon et twitter.com/girelecochon. C'est dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Xayajiji également. Bisous à tous et à très bientôt. Ciao.